ce 7e épisode de Pokémon version or en compagnie d'Ores. Alors, quoi au programme aujourd'hui? Eh bien, nous sommes à Hollyville et nous devons aller dans une autre ville dont j'ai oublié le nom. Il me semble que c'est Écorcia, peut-être Fourvoyage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est vers la droite. Est-ce que nos Pokémon sont en train de mourir? Non, ça va. Il faut expliquer Kalinos. Kalinos. Tu es en première position. Du Apex. C'est moi qui te le dis. Alors, allons-y. C'est normalement cette direction. Boum 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 boum. Allez, passons un petit peu dans des hautes herbes afin d'en rencontrer des Pokémon. Oh, le bon Rattatak. Au niveau 16, Kalinos, tu peux te le faire. Tu peux te le faire, Kalinos. C'est pas flagrant pour l'instant, hein. C'est une Flamèche, mais... Bon, ça va être délicat en fait. Ça va être un petit peu délicat. Kalinos, tu as toute ma confiance, ne la perds pas. Hein. Macro de mort? Ah. Oh, en plus, super. Ça c'est parfait, Kalinos qui a gracieusement évité l'attaque de Rattatak. Oh, alors Kalinos, tu gères. Il me semble que c'est Écorcia cette ville, peut-être n'est-ce pas ce nom, mais il me semble. Boum, 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 boum. On va faire un petit détour par le centre Pokémon afin de soigner Kalinos. Évitons de gaspiller inutilement des potions qui pourront nous servir plus tard. Et oui, je voulais soigner. Oh, alors là... Oh, mais c'est cadeau, ça c'est génial. Bon, j'ai pas trop envie d'aller dans la grotte. Alors, en plus, il fait tout noir, j'ai aucune envie d'apprendre Flash à Kadabra. Du coup, je pense qu'on peut passer uniquement avec Surf à dos de Sarkozy, comme toujours. Par contre, si vous pouvez éviter de rencontrer un Pokémon de type eau, ça me serait bien utile. Parce qu'un Pokémon de type eau contre Kalinos, ça sera pas ça a priori. Oh, allons bon. Oh, un poids sirène, ça va, c'est pas trop colère. On va clairement échanger de Pokémon pour éviter de se prendre un pistolet ou des familles. Et on va envoyer Hortefeu. Hortefeu va les Sarko aussi, faut que les X peuvent clairement muscler. Muscler Kadabra, ils iront pas trop en première ligne. Mais quelle bonne idée de faire une attaque de type vol. Bravo. Ça souhaite un pêcheur, allez, on va lui parler. On va faire la petite technique de on échange les Pokémon en permanence. À moins qu'il ait peut-être full Magikarp pour un Pokémon, il va un poisson ou un truc comme ça. Ah ouh. Oh! Alors ça c'est eau électrique si je m'abuse. C'est eau électrique. Bon, on va envoyer Sarko ou un Sarko. Non, eau électrique c'est pas bon Sarko. Ah, c'est embêtant ça. On va envoyer Hortefeu toujours, mais. On va envoyer Hortefeu. C'est dommage qu'on ait pas de Pokémon. De Pokémon Roche. Il me semble que ça collerait plutôt bien. Bon, dans le doute, c'est pas électrique, on va tenter un éclair. En pire des cas, ça fera x1. Ah bah non, ce n'est pas électrique, autant pour moi. Autant pour moi, moi il a la tête d'un Pokémon électrique. Hein. Il a des petits pics, il a un air colère. On dirait clairement un Pokémon électrique. Enfin, pour moi. Ah, Kalinos qui monte niveau 19, magnifique.
Oh, j'aime beaucoup la tête du pêcheur. Grunt. Oh, ça va être sympa pour passer. Bonjour. Alors, vu la... Oh, et toi? C'est mon territoire ici. Ah, très bien. Très content d'être là. Enchanté, monsieur. Voilà, cette tête en plus. Le Pokémaniaque. C'est... Non, ça me semble normal, non? On va tenter de le tuer avec le mettre KO avec Kalidos. Je sais pas si il a des aspects roche, mais... Peut-être pas, peut-être pas. Enfin, je pense pas les types, ça. À chaque fois, je dis qu'il faut que je regarde, mais... Au final, je ne regarde pas. Non, ça va, il est uniquement normal. Ah bon? Oh! Très bien, le double pied. En tout cas, je suis vachement impressionné. Je vous avoue que je m'attendais à des Pokémon un peu plus haut niveau. Surtout après cette arène avec le Steelix 35. Et là, on se tape petite Dorina niveau 16. Même pas sauvage en plus. Oh, et Kanyos, ça lui fait du bien, Kanyos. Oh, le plop twist. Il a une Nidorina et un Dorino. Car oui, du coup, Dorina est obligatoirement femelle et Dorino obligatoirement mâle. Vu que c'est l'évolution respective d'Hydoran femelle et normale, naturellement. C'est chaud là. C'est chaud. Peut-être une petite potion sur notre cher. Super potion. Sur notre cher Kalidos qui a un petit peu pris la corne. Si je puis me permettre l'expression. Mais ça fait mal, cette attaque, un peu de calme. Hein. Bon, du HP, en fait, ça va. Double pied, mais non! Arrêtez de taper mon Kalinos, non! Ah, c'est là que la violence des Pokémon ressort quand même. Hein. C'est. Imaginez un Nidorino en mauvais état, abîmé, qui est en train de. Des coups de pied, des coups de cœur à un Kalinos, c'est un peu rude quand même, Pokémon. Plus qu'il n'y paraît. Quoi? Ta pierre lune? Et tes Pokémon n'évoluent pas avec une pierre lune, Mukoko. Bonjour. Ah, l'air pur, c'est la fête. Alors ça c'est soit un montagnard, soit... Ah mince, c'est un montagnard. Bon, du coup on va opérer des petits changements. Parce que les Pokémon roche et sol, Kadinous il va se faire défoncer. Par contre, Sarko, le Karcher, tout ça, vous le connaissez. Hein. Maintenant que plus il est devenu... Il a évolué. Il est déjà la fougère. Un petit surf. Surf, très bonne attaque, je trouve. C'est vraiment rare d'avoir des CS qui, en combat, sont efficaces, mais surf en fait partie, à mon sens, du moins. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, ça fait un peu moins d'XP pour Kalinos, mais c'est toujours ça. Procède encore une fois à l'échange. Oh l'ampleur. Oh l'ampleur. Cette attaque qui détruit tout de manière aléatoire. Oh le Satan critique. Là, cette attaque c'est un peu comme Métronome. Je la déteste et je l'adore en même temps. Parce que, vous voyez, certaines situations, ça peut aboutir à n'importe quoi. Par exemple, t'as ton trio piqueur, tu fais un ampleur désespéré sur un Pokémon, et là, paf, coup critique en ampleur 10, tu le one-shot, alors qu'il n'y a même pas de type pour ta préférence. Et parfois, ça te fait ampleur 1, et tu es genre, très bien, ampleur 1,
C'est pas grave, hein, je n'espérais rien. Mais ton Chaos Racaillou avec son air convulsé. Et arrivons à Ecorcia. Peut-être que c'est pas Ecorcia. Ecorcia, on est peut-être déjà arrivé en fait. Je me trompe. Je suis nul pour retenir le nom des villes dans Pokémon. C'est fou quoi. C'est fou. Moïse, la mer, tout ça. On s'est pris des surfs. Ça dit quoi ça? Ah, c'est Agajou! Ah, c'est Agajou! C'est Agajou, my bad. Ah, bah, c'est Agajou. Bonjour, Agajou. C'est quoi ici? Non, on va aller vite. Il faut aller vite. Essayez un bonbonrage. Oh, d'accord. D'abord, je vais essayer votre centre Pokémon. Ah, ce petit couple. Enfin, couple. Bon, peut-être que c'est un couple, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est deux personnes, du coup, on va dire que c'est un couple. Ce petit couple. Très mignon en train de chill près du centre Pokémon. Venons voir. Bon, ok, je vais aller vite, mais je veux juste voir ce qu'ils disent. D'accord, ils donnent des conseils useless. Pas useless. Non, pas useless, mais ils donnent des conseils. Oh, mais quel est ce gros bonhomme devant la reine? D'accord. Très bien. Tourisme forcé. Et ici, les bonbons rage, donc c'est quoi les bonbons rage? Oula! Ah, la musique. Ouais, Curamolos! Oh mince! La Curamolos! Alors, je pense que cette maison-là, elle est un peu louche. Hein. La Curamolos, ne te trompe pas. Poum, 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 c'est donc c'est pas la colère. Ah, c'est super, c'est pas là. Et bonjour. Pépocule et moi, on est des super potes. Eh bien, je vais être ravi de mettre hors d'état de nuire chacun de tes amis un à un. Sans aucun... aucune pitié. Non mais ça me l'est, mettez un scout, ça va pas une plante, toi, déconne pas, non. Pokémon que Kenos peut mettre KO tout seul. Ça me l'est, c'est seul, ça va être trop nul. Oh non, pas jet de sable, non, pas comme ça. Allez, on va rapidement et régler son compte à Sablette. Personne ne résiste au Karcher V2. Enfin, surtout quand il y a 5 niveaux d'écart avec une violence cheveux du type. Mais bon, ça on le dit pas. Hein. Super Kalinowski up, on est content. À quand le lance-flamme, j'ai envie de dire. Bon, Nosferalti. En termes de type, t'as pas d'avantage, mais t'as pas d'inconvénient non plus. Pas de faiblesse, pas de force. Kalinos, tunique. Est-ce que le morceau c'est efficace? Non, je pense pas, hein, c'est ténèbre. Ouais, ténèbre, c'est efficace sur psy. Oh, c'est goldé ça, j'avais oublié ça. Effectivement, quand morceau t'as mon premier, ça peut foutre la trouille. Et en l'occurrence, ça l'a foutu. Oh, il est volé. Bah, Kalinos, non! Je m'en fiche, tu brûles, tu vas te maquer au milieu tout seul dans 3 tours. Si Kalinos ne tape pas avant. Kalinos, vas-y! Oh, Kalinos, du bien! Nosferalti affecté par Bru. Et ça, c'est beau. Ah, oh, mais Sablero, c'est trop. Non, on va le laisser, on va le retirer ensuite. Allez, c'est parti. Le Sablero. Niveau 17. Moi, HL que le. Que Nosferalti, tout à fait normal. Allez, Kalinos revient. Sarko va s'occuper de ce dissident. La petite boule disco de Sablero. Ah, moi, un de mes meilleurs souvenirs dans Pokémon. C'est quand j'ai attrapé un Coconfort, parce que j'ai eu beaucoup l'artwork de Coconfort dans la première génération notamment, dans la petite baie de forêt. Et j'avais capturé un Coconfort, et j'étais hyper déçu parce que je voulais l'utiliser en combat, mais je ne pouvais pas. Car il y avait uniquement armure. Alors,
Alors, j'aimais beaucoup et j'aime toujours beaucoup ce Pokémon. Mais pour autant, mais pas beaucoup servi. Mais j'avais quand même pas mal utilisé. Il avait évolué et je l'avais utilisé à ce moment-là. Oula. Oula, on va se calmer mon petit bonhomme. Quoi? Non? Ah oui. Ah, mon argent? D'accord, du coup on va éviter de repasser par là. On va passer par là, a priori. Ah bah le truc à gauche aussi. Il y a un petit bras d'herbe là-bas. Hop là, allez on monte. Oh, cette esquive de toutes les herbes. Mince. Bon bah, faut bien prendre quelque chose, hein. Là on a raté, on a esquivé les herbes. Oh, Asaltip, Aspadin, s'est moqué de mes Pokémon. Pas Aspadin, c'est pas très gentil quand même. Enfin bon, c'est vrai qu'ils sont pas très forts ces Pokémon, mais. Bon, en même temps, voyons cette tête, peut-être que. Aspadin vient fait de courir. Ah, ou, ah oui! Ah, genre vraiment? De Hidoking comme ça? Hidoking, par contre, il me semble qu'il y a du, il y a de la roche ou du sol là-dedans. On va espérer du moins. T'as le petit Hidoking niveau 19. Mais ça évolue pas du tout comme ça! Pas à ce niveau-là, pas du tout! C'est full normal, c'est full normal. J'ai dit des trucs nuls, c'est full normal, je pense. Je sais pas, à chaque fois, je vois un petit peu les protections, les gros trucs osseux. Et je... Ah non, c'est pas full normal. Nice! Nice, c'est bien. Il faut que je me souvienne. Nidoking, pas full normal. Non, c'est pas plus fort, il est KO. Non. En plus, il a un soutien proche, non. Oh, mais putain, mais. Pourquoi tu dis un truc stupide, enfin un truc stupide. Pourquoi tu dis deux choses qui sont les contraires, comme ça. D'accord, à côté on a le l'adepte du Pokémon Master Race Nidoking. De l'autre côté, son pote Robert qui, lui par contre. Un Flagados, nice. Non, mais le Flagados, genre vraiment. Vous abusez, hein, le Flagados. Il a encore sa queue, contrairement à tous les Rapidos de la région. D'ailleurs. Ah, par contre, il a eu le bon réflexe. Il a vu un Pokémon de type feu et il a fait un pistolet à eau. Très bien. J'adhère. Malheureusement, ça va être le Flagos grillé, hein, messieurs, dames. Mais tu t'acharnes, Flagados, tu t'acharnes. Sacha, mon petit père, ça ne marche pas. Ah mais Robert, comment oses-tu, bah. Faut bien, hein. C'est où ici? C'est quoi ça? Oh, maison du maître pêcheur. Ah, c'est rigolo. Enfin, Maître Pêcheur, Martin Pêcheur, ça fait un jeu de mots dans ma tête, hein, je suis désolé. Ça fait un jeu de mots tout seul, c'est une petite tare que j'ai de d'entendre des jeux de mots, il n'y en a pas forcément, mais bon. Et toi tu bouges donc t'es pas un dresseur, c'est ça? Un Léviathan rouge, ah oui, Léviathan rouge! Incroyable! Oh, mais il est là-bas. Est-ce qu'on le capture? Est-ce qu'on capture, sachant que bon, on a déjà un Pokémon haut, on n'a pas besoin de ça. Pas la collection, mais bon, la collection, bon, voilà, on est un peu des bourrins, on s'en fout. On veut mettre KO. C'est quoi, on va mettre KO, on va le défoncer. On va le défoncer. Sup. Thor, oh, il dit Thor. Il dit Thor, est-ce qu'on capture? Il dit Thor. Oh là là, en plus, la belle animation des Shiny. Ah, il est niveau 30! Ouh, oh, il est niveau 30, zut! Ah oui! Bon, Hortefeux, s'il te plaît, ne te fais pas one shot. Tu es le seul qui a des. Tu es le seul qui a. Un double. Mania. Ça va être compliqué. Mais
Ça va être très compliqué ce combat, je sens. On va soigner Hors de Feu, voilà. Est-ce qu'il va se... Il va se one-shot. Si ce one-shot, j'ai vraiment fait une erreur. Oh. On s'en fout. On va utiliser Super Potion jusqu'à ce que Léviator soit confus. Moi, je vous le dis, aucune limite. Ah, bah voilà. Ah, mais c'est sérieux. C'est quoi un champ de Pokémon, on va mettre... Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre, du coup, c'est trop... C'est la merde. Voilà, on va temporiser, on va re-soigner Hors de Feu. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut niveau. Ah, il fait mal en plus, hein. Il fait mal. On a une hyper potion, non? On n'a pas d'hyper potion. Ah si, on a deux hyper potions. Alors, Hors de Feu, tiens... Voilà du pain, hop. Après je sais pas si Hortefeu a assez de puissance de frappe pour le descendre en deux coups. On va bien voir. Allez à Yactarest. Allez, Hortefeu. Sans vouloir, bon, c'est pas la France compte sur toi, mais mon équipe compte sur toi en tout cas. Oh, tu te blesses, tu déconnes, tu te blesses. Oui. Ou Ned. La double faiblesse, mesdames et messieurs. Et c'est nul. Ah, je tente. Quoi? Mais c'est quoi ces confusions d'un tour? Bon, si je tente une Pokéball maintenant et que ça rate, c'est vraiment compliqué. On va faire la Hyper Ball. Allez, là ça passe, paralysé, peu de vie, on le capture, c'est parti. On ne l'utilisera pas, mais c'est uniquement pour l'aspect de collectionnite. Parce que la collectionnite c'est bien, et ça rate, et c'est la merde, non. Bon, tant pis, on le tue. On le tue, on s'en fout, ça fera de l'XP. Voilà. On n'aura pas de Léviator Shiny. On attrapera un legit. Totalement legit. Voilà, on va défoncer Léviator. Oula. Qu'est-ce que fait Batman ici? Batman. On va soigner Hors de Feu peut-être. Peut-être que Batman il veut du pain. Batman, sache que si tu veux du pain, je suis prêt à t'en donner. Allez, c'est parti. Putain, c'est marrant, la mania faisait pile 51 HP. Du coup, Hors de Feu perdait 1 HP par mania. Au fur et à mesure des potions. C'est Batman. Hein. Ah, c'est Peter. Bonjour, Peter. Ah merci, c'est gentil. Oh c'est coquin. Mais oui, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien fouiner avec les inconnus comme ça. Oh c'est pas gentil, mais les Magikarp, il n'y a pas qu'un du monde. D'accord. Oh. Alors ça monsieur c'est une carte sortie, non ça marche pas. Hein. No joke, c'est pas censé marcher. Hein. Et là on passe par les autres herbes, c'est parti. On va s'amuser. Oh, voilà Hors de Feu numéro 2. Mais simplement, nous avons déjà un Hors de Feu, tu n'es qu'une immonde rencontre, un immonde Pokémon que nous rencontrons et que nous allons purger par le feu. Oh, j'aurais dû l'appeler Ragdaros, Kalinos, non. Simplement pour crier By Fire Be Purge chaque fois que je fais un lance-flamme ou une flamèche, c'est peut-être un petit peu petit hein, pour crier ce genre de choses. Ah, oh, mais où vais-je? Oh non! Ça, c'est un pêcheur. C'est tellement un pêcheur. Mon bateau, c'est pas bon, il était assis au bord de son lac. À regarder autre chose du lac que le lac, bien sûr. Alors que les Magikarp. Oh super! Kalinos, tu vas te les faire. Oh niveau 10, ça va pas XP. Super.
Ça va être long, mais c'est facile. Oh bon, pas si long que ça en fait. Bah il dit 11 niveaux de différence en fait. Bah oui, t'as du mauvais matos, du coup tu captures. Oh! Oh! Bonjour. Niveau 10? Genre vraiment? Portefeu, tu vas te faire ça? Mais t'es bientôt niveau 10, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, un petit peu la marque de fabrique de Leviator Mania. Bon, pour le coup, la différence de niveau lui sera fatale. Il t'en aurait fallu 20 de plus pour poser un véritable problème. Bon, on va faire un porte-feu. Faire un porte-feu. Il faut voir aussi un peu Vals. Là, c'est peut-être un Léviathan niveau 15. Oh, ça va être un Léviathan niveau 15. C'est rigolo parce qu'il avait un Magikarp niveau 10, un Léviathan niveau 10, un Magikarp niveau 15 et un Léviathan niveau 15. Moi, je trouve ça rigolo. Bon, après, j'ai pas d'humour, mais. Mais c'est rigolo, c'est drôle, quand même, c'est mal. Oh, 600 XP hors de feu, niveau 25. Une véritable attaque électrique, s'il te plaît? Oh, pas dommage. J'ai perdu, mais ça va mieux. Très bien. C'est pas du tout par là. Là, je pars totalement dans les choux, en espérant qu'on peut rattraper ça en faisant surf par là. On peut. Nice. Parce que hors de question de. Oh, ah carrément. De l'énergie comme ça sauvage niveau 15. Le respect. Enfin, le respect. Pas tout le respect là, mais. C'est rigolo. Oh, il est mignon. Ça rend Kainos noir. Kainos, qu'est-ce qui t'arrive? Ce rugissement t'a fait beaucoup d'effet, dis-moi. C'est une Kainos, c'est pas un Kainos pour le coup. Nous avons une. On dit chiot, mais je ne sais pas si on dit chiot, ça faudrait beaucoup. Hein. On a un petit chiot femelle avec nous. Alors toi, ma grande. Attends, j'en reviens, j'en reviens. Quoi? Les gens ont des propositions très étranges. C'est fou. Tige pique-nique. En plus, les gens ont des noms très étranges. Alors, tu te le fais, ce mélo fait, tu te le fais. Il n'a pas le type fée, du coup, Borston n'est pas efficace, mais tu te le fais quand même. S'il fait hypnose ou berceuse. Oh. Ah, c'est chiant aussi. On s'en fout. Bon, on s'en fout pas. Ah non! Ok, alors là. Je me dis que je prenais pas muscle, mais. Il faut que ce combat se termine. Vu comment c'est parti, si jamais. Ah. Ah bah alors, tu es petit, tu rates tes attaques. Tu vas te prendre un point karaté. Et bah alors. Ça fait mal. Non mais oh quoi. Comment oses-tu? Muscle, arrête! Arrête de hop, muscle. Je suis fier de toi, mais arrête de hop, s'il te plaît. Et on continue. Ah non, Canino s'est endormi. Non, je pense que poulet, 3 pas qu'il y a à faire. Non! Je déteste ça. Je déteste ça. Caninos, si on n'a pas de réveil. On a un réveil, je pense, on a un réveil. On a 5 réveils, c'est vrai que j'avais fait le plein. Tiens, réveille-toi, viole seule énergie. Arrête de bien te voir, Caninos. Arrête de clignoter, ça me fait peur. Non, pas sac, non. Allez, vas-y! Mais non, Mécaninos.
Je sais pas si y a une meilleure attaque qu'éclair à prendre. Enfin, à prendre. Si notre cher Hortefeu apprendra de meilleures attaques qu'éclair. J'espère. J'espère parce que bon. Le double type du Viator a bien caru, si j'ose dire. Mais malgré tout, ce serait cool d'apprendre une bonne petite attaque des familles. Bon, je suppose que le monsieur est dedans, notre cher Pete, ou Peter, je ne sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler Batman jusqu'à la fin de la session de Pokémon Or. Parce que très clairement, cette cape, cette apparence, voilà, c'est un peu la nuit, c'est un petit peu les chauves-souris et tout. Batman, tel Robin, je suis prêt à t'aider à affronter le crime dans toutes les circonstances et éventuellement à céder à quelques petits plaisirs coupables dans ta compagnie, je ne sais pas. Allons. Oh, oh, oh Dracolos, oh ça rigole pas. Ah je ne savais pas qu'on pouvait défoncer les gens à coup de Pokémon. Oh. Get out the way, bitch. Alors, ça fait quoi de se faire rect? Non, j'ai pas trouvé ce qui est sauvé, c'est Batman. Et toi, ça va? Ouais, on PLS dans le coin du bâtiment. Oh! C'est grand ici. Oh! Alors, Batman, par où es-tu passé? Parce que clairement, je vois pas comment t'es passé par là sans déclencher l'alarme et sans prendre de type. Et je trouve ça un petit peu scandaleux. Tu fais passer en second et je prends ça. Ah oh non mais c'est relou ce prolifique, non. Si tu fais des hypnoses, jure. Enfin non, jure le pas parce que j'ai pas forcément envie d'aller me faire ouspi vers mes voisins. En fait, ce coin va être très long. Mais il est psy, je fais pas de morsure, non. Bon ouais, c'est ma faute clairement. J'ai pas réfléchi, j'étais en train de me dire. Oh! Alors là, Caninos, tu me mâchouilles ça, quoi. Bon, oui. Tu me mâchouilles ça dans les règles de l'art. J'ai fait deux flamèches alors que j'avais morsure à l'expédition. Mais non, mais Horace, quoi. Horace. On s'en fout, on sera le petit, on va le défoncer. Allez, Caninos, flamèche, tu le brûles. Brûlez tous, by fire be purge, comme on dit. Non, oui, parfait. Caninos, il a évité une hypnose et un ultrason au combat. Sans mauvais jeu de mots, il est on fire. Bon. C'est-à-dire que le type a ultrason et onde folie. Bon, il a fait onde folie, tout à l'heure. Allez, ça passe. Caninos, ça passe. Oh, Caninos. Caninos, t'es une machine. Il était très équilibré en stade, dis donc. Soit c'est très nul, soit c'est très bon, soit c'est moyen. Je sais pas, je ne connais pas. Mais Batman, par où es-tu passé? Comment as-tu évité ces deux gardes et cette alarme totalement pas esquivable? Des bullshit. Mais totalement bullshit. On continue. Caninos, t'es un petit peu en winning strike. On continue. Oh là là, et là? Non. Caninos, je pense que t'as déjà eu ton quota de réussite, mais j'ai confiance quand même. Hein. J'ai confiance. Mais Caninos, tu vois, Caninos, ce qu'on vit toi et moi actuellement, c'est fort. T'as de morve.
Ouais, rien que pour le plaisir de faire un petit rappel sur le tas de morve, regardez, il est beau, il est tout, pas fluffy, mais tout mou, tout dégueulasse, et paf, la rafale psy, et paf, la destruction totale du tas de morve. C'était du bonheur pour les yeux, je trouve. Tant qu'on y est, c'est... Ce sera plus long avec Kalinos, on a vécu des choses fortes, toi et moi, mais... Dans des soucis de rapidité du combat, je garde Calabra pour ce coup-ci. Mais tout le monde viendra Kalinos. Pauvre Tana qui se prend un coup critique en plus, et... Le coup critique de Calabra sur Hatata, c'est pas de chance. Oh merci. Et comment est-ce qu'on a eu tes statues a priori? Il n'y en a pas ici. Et ici du coup on va éviter. D'accord, c'est bien ça, ça réduit un petit peu les possibilités. Ah, et là on a vu le scientifique, on l'a vu. Mais apparemment on ne peut pas se glisser entre les murs et les portes ouvertes. Alors c'est très décevant. Ça va, Kalino c'est plutôt bien en termes d'HP. Toi t'es un scientifique, t'as l'air d'un petit peu d'être un nerd si je peux me permettre. Tu vas avoir des magnétis à tous les coups. Comme tous les scientifiques. C'était une cachette ninja ici. Bah oui, c'est dommage que votre second membre qui m'a attaqué m'ait révélé votre stratégie. Bah, Magneti, tous les scientifiques de Pokémon. Kalinos, tu vas me faire fondre tout ça. Allez, vas-y. J'avoue que Magneti il charge mine de rien, ça peut être douloureux. Hein. Kalinos, le lance-flamme. Il serait pas niveau 23 par hasard, comme ça, au hasard. Moi ça m'arrangerait bien en tout cas. Ça me ferait grave plaisir. Bon, je vous cache pas que ça reste un petit peu du spamming de... Bon, comme je vous l'ai dit au début, j'ai une manette pour jouer Pokémon, ce qui est très sympa. Un petit peu un rêve d'enfant qui se réalise. Et... C'est un peu le spamming du bouton A, et de temps en temps du bouton B, pour ne pas changer de Pokémon. Mais bon, c'est le jeu aussi. Pokémon n'est en somme pas un jeu très... Enfin si, l'histoire peut être prenante, mais le gameplay, c'est plus... À la fois de la gestion et de la stratégie, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de. Qui amène de l'action en fait. Donc c'est un jeu parfait pour des situations, par exemple dans un bus, aux toilettes, je sais pas moi, dans votre lit, quand vous êtes malade. D'ailleurs. Oh, pression plus, super. Attendez, donc, je suppose que ça doit être le. Ah super. Donc je me dis comme je disais, le truc au sol tout droit. Ah oui donc les ah, ça. Donc il faut éviter de marcher sur les machins gris, d'accord. Et la caméra on ne marche plus. Ah oui, c'est les yeux de la statue, la caméra. Habile. Il a eu des choses ou pas? Bonjour. Bonjour. Oh. Oh. Une pépite, on est goldé. Enfin, sans mauvais jeu de mots, on est goldé. Là. Ah. Bah écoutez, c'est parti. Oh, Batman. Ah oh, bah ça va, Batman. Non, ils sont pas fatigués, non? Bon. C'est parti. Batman, attendez-moi, Batman, non. Je mets ici. Marchons dans les pas de Batman, c'est quoi ça? C'est une porte. Il faut un mot de passe. Oh. Oh, un Voltorb, nice. Prêt? Ah, c'est bien. La seule case où on pourrait passer, on ne peut pas passer. Oh, super.
Ouais, je vous parlais pas, monsieur, hein. Je vous parlais pas, je suis dans l'année de mes 12 ans, non, hein. Et puis vous, hein, vous faites quoi dans... Enfin... Vous déguisez en je sais pas quoi, là, avec vos costumes, vous kidnappez les Pokémon, vous pensez que c'est rigolo, peut-être? Non, je trouve que vous êtes que des gros vilains. Des gros vilains. Et oui, l'insecte, ça brûle, et oui. Kalinos, t'abuses, hein, 4 niveaux de différence, t'aurais pu le tuer d'un coup, hein. Pas de KO d'un coup. Bon, du coup, je pense que j'ai pas fini mon live sur Pokémon tout à l'heure. Pokémon, c'est un jeu qui se prête plus à des moments tranquillement, vous êtes installé et vous n'avez pas forcément d'autres choses à faire et vous jouez à Pokémon, mais ça reste, ça a un rythme tout de même, un gameplay assez, assez calme en fait. Mais c'est pas plus mal. Je me souviens de ma Game Boy, j'avais une Game Boy quand j'étais petit et j'avais cette énorme. J'avais la chance d'avoir cet énorme truc que vous mettiez sur le devant l'écran pour faire de la lumière et pouvoir jouer quand il fait noir. Et donc j'étais dans mon lit avec cette espèce d'attirail énorme en face de moi, sans penser dégueulasse, hein, excusez-moi, avec cet attirail accroché à ma Game Boy et je jouais à Pokémon. Il me semble que c'était Pokémon Rouge en anglais. Donc je comprenais rien parce que j'étais complètement pas du tout bilingue. Encore moins qu'aujourd'hui, c'est dire. Mais je m'amusais quand même. Je me souviens avoir cherché la CS Coupe pendant des mois et des mois. C'était rigolo. C'était le bon vieux temps. Ah, peut-être que tu as le mot de passe, toi, non? Ah. C'est peut-être un petit peu déplaisant. Hein. Bon, faut bien m'expliquer un petit peu Kalinos. Hein, bonjour. Alors là, on a dépassé quand même un certain seuil de respect, parce que Crétinus, c'est pas gentil, hein. Non mais Crétinus, mais non, mais ils abusent, non. Parce que là, toi aussi, ça rigole pas, là. Ça y est, ça sort les évolutions, tout ça. Kadabra, c'est bon, hein. Il faut que je passe 30 aussi comme muscle. Pas de confusion. Ah, ça va. C'est la vitesse dans sa défense, ça va. On s'en fout. Sur le combat, il va être rapide. Voilà. Est-ce que t'es content de m'avoir diminué ma défense beaucoup, hein? Eh ouais, perdu, Crétinus. Eh oui. Bonjour. Mais mon c'était le chef. Ah donc lui il connaît. Alors on s'est fait rect. Ah d'accord, tu me dis pas, excuse-moi. Bon, je me rends compte que cette vidéo est vachement est vachement longue, donc je pense qu'on va essayer de finir d'explorer cet endroit et sortir. Mettre fin à cet abominable complot envers les Pokémon, encore des Magnéti. Ah non! Oh, ça change. Par contre, bon, on va dire qu'on va faire des Flamèches et que ça va passer. Oh, bon dégât. Tu ne jettes pas de détritus sur mon Kalinos. Oula, ça m'a fait mal. Mais non, ça va passer quand même, je pense. Oh, la brûlure. Oh, nouvelle attaque. Purée de poids. Oh, lamentable. Hop, finis-moi ça, Kalinos. On n'en parle plus. Oh, les 500 d'XP J'ai envisagé de choisir de Pokémon pour mettre Abra au prochain, mais... Finalement, nous allons garder Kalinos. D'ailleurs, ne gridons pas. Ne soyons pas avides. Et soignons Kalinos. Comme je dis toujours, non, je ne le dis jamais, hein, mais comme je dis toujours, la sécurité des Pokémon passe avant tout. Moi, je veux que ma petite Kalinos, elle ne se fasse pas mettre KO. L'attaque, elle fait bien 20 dégâts.
Elle aura une chance de mettre le poison. Du coup, si jamais je suis à peu d'HP, genre là, il va m'en refaire un. Donc la sécurité avant tout, hein, comme je disais, la sécurité avant tout. Voilà, voilà, Kanidos n'est pas KO. Kanidos, non, Kanidos, non. Comment est-ce arrivé, Kanidos? Non. On va se venger sur lui, toi. Non, vraiment, c'est vraiment pas gentil, Sylvain. Ah, c'est Jessie! Oh! Un nul. Ouais, donc vous êtes pas gentil. Oh! Bah alors, on va mettre XP, on va mettre hop. Alors, Vals, il vole, hein. Il est comme. Comme Fillon. Ah, excusez-moi, c'était pas correct. Je voulais pas dire ça comme ça. Je n'adhère pas forcément à un clash politique, et c'était parce que le jeu de mots paraissait drôle. Hein. Voilà, je ne veux pas vous influencer d'une quelconque manière. D'ailleurs, si je peux vous conseiller quelque chose, ayez toujours un regard critique sur ce que l'on vous dit, toujours. Jamais personne n'aura la science infuse, tout le monde aura quelque chose qui me sera utile à assimiler, si j'ose dire. Voilà. Prends Vals, arrête de voler si tu vas avoir des problèmes. Non, je voulais pas dire ça, non. Allez. Voilà, Jessie, c'est fait. Ah, mais c'était facile comme moyen de persuasion. Mais Team Rocket, vous êtes relou hein, quand même. Enfin, c'est peut-être pas foutu de mettre un mot de passe, genre un vrai mot de passe un petit peu. Parce que Kuramolos, voilà. Kuramolos, quoi, mais non. Voir sa magnétite, lui. Oh. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder là, nous serons en pleine exploration de la planque de la Team Rocket. Comme ça, j'irai soigner un petit peu notre petit chien de feu, hein. Je me souviens pas de son nom, non. Kanidos, je sais pas les noms, je suis comme ça. Donc, je vais soigner Kanidos hors vidéo et nous pourrons le reprendre la prochaine fois. Mais là, la vidéo est un petit peu longue déjà, et c'est pas mal. En tout cas, je suis ravi de cette aventure avec vous, et je vous dis à la prochaine fois.